and Groucho, please stand up. Where you will away. Cha sum chen koi cho. Please sit down. Ba yi wu sa sua. Cha pipi ni te. The president. From now on, the hearing will be conducted in open session. So I would like the AB and the audio unit les to connect this audio visual system back to the public gallery. Être I now would like pour to permettre au public de voir et d'entendre. Je rends maintenant le micro au juge Cartwright pour poursuivre le traitement de Thank notre ordre du jour. Merci, as the président. President dit le juge Cartwright. Comme l'a indiqué le président, nous avons terminé notre session à huis clos, à huis clos donc pour préserver les droits et la sécurité des témoins dont la Chambre souhaitait discuter avec les représentants des différentes parties. I now turn to a preliminary witness list Maintenant, for the trial. Nous allons envisager une liste the trial préliminaire chamber has des taken témoins. Into consideration the witness lists nous avons filed pris en compte so les différentes listes de témoins qui ont été déposées jusqu'à présent, ainsi que les observations des différentes like parties. To inform et the parties la Chambre souhaite maintenant informer les parties de nos décisions relatives aux listes de témoins qui comparaîtront conformément à la règle 80 bis 2 du règlement intérieur. Et je cite, lorsque la Chambre considère que l'audience d'un expert ou d'un témoin ne serait pas propice à une bonne administration de la justice, elle rejettera la requête de comparution d'une telle personne. Fin de citation. Alors, pour déterminer cela, la Chambre a évalué les possibilités d'audition de témoins et d'experts à la lumière de la règle 87.2, alinéa A, B, C et D, pour voir si les témoignages ainsi proposés seraient pertinents ou seraient répétitifs, seraient impossibles ou non à obtenir dans un délai raisonnable, seraient applicables Among other criteria, au fait qu'il s'agit de prouver ou non, ou seraient admissibles en droit. And lengthy Alors, parmi d'autres critères que nous avons appliqués, et afin d'éviter la redondance qui prolongerait les débats indûment, la Chambre a pris en compte une situation dans laquelle différents témoins auraient témoigné sur les mêmes faits. Nous avons également considéré la question de savoir si les parties se sont déjà mises d'accord sur certains faits. Le témoignage concernant des faits sur lesquels il y a concordance ne sera peut-être pas nécessaire. Et enfin, nous avons pris note du fait qu'il nous faut des données complètes permettant de localiser chacun des témoins afin de pouvoir les convoquer. Il revient aux parties requérant la présence de tel ou tel témoin de fournir l'adresse exacte et suffisamment d'informations pour que la Chambre puisse localiser la personne. La Chambre signale que le besoin d'entendre ou non un témoin peut changer pendant l'évolution des procédures. Il nous faudra donc plus de temps et d'informations pour décider de l'acceptabilité de tel ou tel témoin. Il est donc sage dans l'intérêt d'une bonne administration de la justice, de décider temporairement, pour ce qui est d'un certain nombre de témoins, et de laisser pour plus tard une décision définitive concernant les autres témoins. Les témoins sont énumérés en ordre alphabétique
anglais et français. La Chambre va annoncer l'ordre intérimaire des témoins à un stade ultérieur. La Chambre a décidé d'accepter. That list is as follows. La liste suivante, witness sur demande KW des parties. 29, et je nomme maintenant Nayan Chanda, les témoins. David Chandler, KW28, Nayan Chanda, David Chandler, KW22, KW25, KW06, KW23, witness D4, witness CP25, witness Nick Dunlop, témoin Nick Dunlop, witness CP26/6 alias A05, witness KW09, witness D5, témoin D5, expert KW34, witness CP24/4 alias A04, witness KW13, témoin KW11, témoin KW18, témoin KW21, KW19, KW08, KW12, KW17, expert Françoise Sironi, l'expert Françoise Sironi Gilbar, témoin D1, KW07, KW24, témoin D4, D3, témoin D3, witness KW28, witness KW01, KW01, witness CP27/A06, alias A06. The chamber has decided to postpone its decision. A également décidé de reporter sa décision concernant la comparution éventuelle des témoins suivants. KW04, KW03, CP29, Craig Etchison, Richard Goldstone, Stéphane Hessel, Raoul Marc Jenner, witness CP23/3 alias A03. Witness D9, témoin D9, Christopher Lapelle, witness CP2/2 alias A02, witness KW14, witness D8, witness CP2/1 alias A01. Witness Marie-Claude Gibault. Witness CP2/10, CP3/3. In relation to witnesses, pour ce qui est des témoins CP2/3, CP2/2, and CP2/1, Council will be given the opportunity to comment in writing. Les avocats auront la possibilité de faire des observations par écrit. Nous avons décidé de remettre à plus tard tous les témoins qui figurent sur la liste fournie par le groupe des parties civiles 1. Il y a eu des débats autour de trois témoins. KW 30, 31, 32,
They are witnesses who are sought to be summoned to discuss practices at M13. The trial chamber has announced its decision in relation to these three witnesses in closed session and now repeats that decision in public session. The trial chamber considers that the practices at and the development of S21 are pivotal to this trial. Les évolutions à S21 sont essentielles pour ce tribunal. Il a été décidé que les trois témoins figurant sur la liste des coprocureurs, les témoins KW 30, 31, 32, pourront effectivement aider à établir la vérité concernant les allégations pesant sur l'accusé. About the degree of the accused's knowledge of the development of security systems in democratic Kampuchea concernant le développement des systèmes de sécurité dans le Kampuchea démocratique, y compris en particulier à S21. During the closed session, pendant la séance à huis clos, la chambre de première instance a également évoqué un témoin would be appropriate to call. That is a witness called by the trial chamber itself. It now announces that it will call the witness whose name was referred to in private session but who has not yet undergone a risk assessment. This witness has been assigned the pseudonym TC1 and will be called by the chamber. C'est son pseudonyme TC1 et il sera cité à comparaître par la chambre. La chambre va maintenant exprimer ses observations concernant les demandes de comparution relatives à des témoins qu'il a été décidé de ne pas accepter. Nous notons que d'après la règle 80 bis 2 du règlement intérieur, lorsque la Chambre considère que l'audience d'un témoin ou expert ne serait pas favorable à une bonne administration de la justice, la demande de faire comparaître cette personne sera rejetée. La Chambre fait référence à la liste de témoins soumise par le groupe 2 des parties civiles, en particulier le témoin CP28, alias A07. La Chambre constate qu'aucune information n'a été fournie confirmant qu'il s'agit là d'un témoin pertinent, à savoir en particulier, nous n'avons aucune information qui confirme l'incarcération de cette personne à S21. Nous notons également que, malgré nos demandes, les avocats des parties civiles n'ont fourni aucune information supplémentaire concernant les détails permettant éventuellement de contacter le témoin CP28 alias A07. La Chambre, par conséquent, estime que l'adresse de cette personne reste inconnue et en l'absence de tout moyen permettant de localiser, contacter ou convoquer ce témoin, nous ne sommes pas en mesure de convoquer le témoin CP28A07 à comparaître. Nous considérons par conséquent que les preuves ou éléments de preuve qui auraient pu être fournis par ce témoin ne peuvent pas être obtenus conformément à l'esprit de la règle 87.2 et par conséquent la Chambre rejette la demande de des parties civiles groupe 2 pour ce qui est de faire comparaître le témoin CP2-8, alias A07. Maintenant, pour ce qui est de la liste de témoins déposés par le groupe 3 des parties civiles, en particulier les témoins CP3-1 et CP3-2, dans la directive requérant des informations supplémentaires pour préparer l'audience initiale
en date du 5 février, la défense était priée d'indiquer si elle contestait les faits que les deux témoins en question viendraient éclairer dans leur témoignage. La réponse de la défense en date du 12 février 2009 a été bien reçue par la Chambre. La Chambre note qu'il n'y a pas contestation des faits sur lesquels les témoins interviendraient. La Chambre note également que la durée estimée pour ce qui est du témoignage à prévoir de la part de ces deux témoins serait 10 minutes. Il nous a également été confirmé que ces témoins parlerait d'éléments de preuve non matière à controverse. Par conséquent, il nous a semblé non nécessaire, il ne nous a pas semblé nécessaire de les citer à comparaître. Suite à ces éléments de notre audience, je voudrais maintenant revenir sur un point important évoqué en séance à huis clos, où il était question de la liste de témoins du groupe de partie civile numéro 1. Le conseil de ce groupe, représentant ce groupe, a avancé des commentaires bien spécifiques concernant l'un des témoins, et ses propos ont donné lieu à des réponses de la part de la défense et de l'avocat Maître Sûr. Je voudrais maintenant donner l'occasion à ces différents parties, à ces différents représentants des différentes parties, de reprendre la parole, car les questions ainsi soulevées sont importantes. Il importe que le public of these trials. Comprennent However, bien la teneur de ces propos qui ont une incidence sur notre sur le contenu de notre procédure. Cependant, j'imposerai une limite temporelle. Je prierai chaque intervenant de ne pas dépasser 5 minutes de temps de parole. Monsieur Petit, Maître Studzinski ont indiqué leur désir de prendre la parole. Une fois que les trois conseils précédents auront terminé leurs commentaires, M. Petit et Maître Studzinski pourront, je l'espère, s'en tenir à 2 minutes de temps de parole chacun. Your Honor, with your leave, perhaps Maître Kahn, vous avez la parole. Il serait peut-être plus approprié en termes de procédure de suivre exactement l'ordre dans lequel les choses se sont déroulées en session à huis clos. Donc, Maître Roux, souhaiteriez-vous commencer, the witness concerned, without, of course, referring to any names, because although évoquer de nom, confidentiality is not requested. We have taken the view that until a risk assessment is completed, no names will be mentioned. Thank you, aucun nom ne sera prononcé. Merci, Maître Roux, et je vous donne la parole. Merci, Madame le juge. Thank you, Your Honor. Ce qui a fait réagir la défense tout à l'heure. The defense. C'est le témoin numéro 3 de la liste présentée par l'équipe de partie civile du groupe numéro 1. Cette équipe demande que ce témoin numéro 3 puisse assister la cour dans la détermination de la sentence appropriée dont la Cour devra décider à l'encontre de l'accusé. Madame la juge, Monsieur le Président, Messieurs les juges, nous avons eu l'occasion de répéter à plusieurs reprises on several occasions already had opportunity to emphasize the fact that in this hybrid tribunal, which is both national and international in nature, nous construisons du droit. We are creating et nous sommes jurisprudence. Le premier tribunal à vocation internationale international tribunal qui accepte en tant que tel
des parties civiles. Accepts as such the presence of civil parties. Des victimes qui sont présentes aujourd'hui devant la Cour pénale internationale dans le dossier Lubanga qui s'est ouvert à peu près en même temps que le nôtre, mais elles n'ont pas les mêmes droits. Elles ne peuvent faire valoir le texte que leurs préoccupations. Et encore après y avoir été autorisées. They can only do so elles after ne sont being donc duly pas authorized to do so. They are not civil parties, and this is motivated by a very straightforward reason. Est le seul that tribunal, this tribunal, dans lequel la procédure is the only one est une procédure de civil law, the procedure applied is a civil qui connaît law donc procedure, la procédure which de partie civile. Allows for civil parties. Dans la procédure de civil law, in a civil law, les parties civiles procedure. Sont effectivement font partie, sont des parties à l'audience. Part and parcel of the process. En ce qui me concerne en tant que avocat international, as far as I'm concerned, je me suis battu as an international lawyer, I have for years pour que les victimes puissent intervenir dans les procès internationaux. Et je me réjouis tout à fait de ce que aujourd'hui les parties civiles, les victimes en qualité de parties civiles puissent participer à tout point de vue, à l'audience, puissent faire citer des témoins, puissent intervenir dans les débats, puissent poser des questions elles-mêmes, directement ou par l'intermédiaire de leurs avocats à l'accusé. Tout ça est extrêmement important. Directing questions et puissent bien entendu, directement ou par l'intermédiaire de leurs avocats, invoquer les immenses souffrances qu'elles-mêmes ou leurs familles ont souffert. Tremendous suffering that they or their elles sont la voix des victimes, and close cette voix loved ones l'entendront, have experienced. The et voice nous of the victims is crucial. We devant shall souffrance. Be in a position to hear and to respect pour the autant, suffering of the victims. This being quel said, est le rôle précis d'une partie exactly civile dans un procès of que nous dirons romano-germanique a trial of the of the il est clair Roman-German pour tous les auteurs tradition. It is very clear qu'on ne doit pas confondre la partie civile et le procureur. The civil party and the prosecutor la partie civile are different. Est là pour exprimer they have different functions and roles. The civil party is sa souffrance, ses souffrances. In a capacity, et pour in en capacity demander réparation. That enables it to express its suffering and to seek redress, mais celui ou ceux qui sont en charge de la réparation sociale but in terms of social, the social, causée par le crime, provision ce sont of reparation, les procureurs. The co-prosecutors are ce sont les procureurs qui vont function. Au nom the de l'opinion publique will speak on behalf of the public opinion réclamer of society une in sentence. Order to, require en aucun a sentence cas to be applied. Ce ne peuvent être this les parties civiles. Never the role of the civil parties. Donner ce droit to de réclamer la sentence à des parties civiles right serait une régression terrible dans notre say, droit pénal right puisque ça nous ramènerait à l'époque de la vengeance. Would amount to regression in our jurisprudence because it would bring us tous right back to the days of direct revenge. Que la séparation des fonctions entre parties civiles tell us that et procureur, c'est que les parties civiles remettent au procureur l'ensemble de leurs souffrances pour que le procureur lui-même, allowing the au nom de l'ordre public, to réclame la sentence. Take on board the depth of their suffering and là. To translate this in terms je vais of demander a, très respectueusement à la Cour a sentence sur ce to débat. Be formulated. Qui est effectivement un débat fondamental pour l'avenir non seulement de cette Cour, mais de ce qui peut se construire derrière. Je vais suggérer à la Cour de faire venir un expert qui est la plus personne la plus compétente au monde sur ce sujet. The leading world il s'agit du professeur subject, Robert Badinter.
Robert Badinter, ancien ministre former français de la justice, French justice minister, qui est celui qui a le plus fait pour introduire des droits nouveaux pour les parties civiles dans le procès pénal. Lorsqu'il était ministre de la justice, criminal, cases, je rappelle que M. Robert Badinter est celui qui est à l'origine de l'abolition de la peine de mort en France. Mais donc, il a aussi fait énormément pour la place de la victime dans le procès pénal. The role and voice il a par la suite été président du Conseil constitutionnel. Il enseigne le droit aux États-Unis, c'est-à-dire qu'il connaît parfaitement la USA, common law. Also very much, et aujourd'hui, Monsieur Badinter nowadays, exprime Mr. publiquement ses inquiétudes sur une trop grande extension qui serait donnée au rôle des parties civiles. Of the role il me of paraît aujourd'hui la personne la plus adaptée dans un procès international qu'il connaît bien be the best pour venir nous donner des lignes de réflexion, des lignes de conduite sur ce que nous devrions faire les uns et les autres. Je suggère très respectueusement à la Cour que exactly sur ce débat, la Cour puisse s'attacher le témoignage extrêmement this issue, I think, de Monsieur le Président it would be extremely worthwhile for this court to listen to the point of view of Mr. Badinter. Thank you, Your Honor. Thank you, Maître Roux. Now, Maître Sûr, merci, Maître Roux. Maître Sûr, est-ce que vous souhaitez intervenir à ce stade? Je vous demande encore une fois de vous en tenir à 5 minutes de temps de parole. Madame le juge, Monsieur le Mr. Président, Sir, messieurs les juges, Your Honor, Your Honors, nous avons aujourd'hui cette impression prodigieuse de participer à l'écriture today that we are taking part du droit in pénal the writing international of international criminal law concernant for the future, la participation insofar des victimes as au the procès. Victims' participation in trials is concerned, avant d'indiquer que before la conception I indicate de François Roux that Mr. Roux's view ma conception tallies with sont mine, deux conceptions totalement semblables, that we are in perfect agreement. Je veux pour que les choses soient claires. In order to clarify matters, dire au tribunal, I would like to make the court, let the court know les victimes sont représentées that par victims un groupe d'avocats are represented by a group of lawyers solidaire, which is united qui est, en toute unité, which is dans la façon a solid de whole, porter la douleur in bearing the suffering qui nous ont fait of l'honneur de nous demander de les représenter. Who have honored us by asking us to represent le mot avocat them vient du latin advocare. Advocare, ça veut dire the parler pour. Lawyer et comes nous from parlons the Latin advocare. Pour la douleur de nos clients. So we are speaking et for cela the ne pain doit pas of our poser de difficultés aujourd'hui. This should not, que at this de point, considérer que par raise une any difficulties. Au tout début du procès, sans we should not consider that because there is a minor disagreement in limine litis at the beginning of trial, sur la façon dont nous allons exercer notre rôle we are raising questions as to how we are going to perform our role or as civil parties, that is our technical role in this proceedings. Il nous est accordé ici et maintenant devant ce tribunal before this court, parce que ce tribunal we have this role to play because this is a hybrid court. Droit onusien, it is based droit on United Nations or international Cambodge criminal law and Cambodian law. And Cambodian law droit d'origine Romano-Germanic. That it is based on the Romano-Germanic et system. C'est ce droit and d'origine Romano-Germanic it is this Romano-Germanic legal system that allows de victims se constituer partie civile to join as et civil c'est, parties. Ce que nous faisons en France devant les tribunaux. And this is what we do before the courts in et France. Permettez-moi de vous indiquer que l'article 23.1 and I should say that article 23.1 which Mr. The judge Lavergne referred to
avec l'écriture is qui définit largely le rôle similar de la partie civile en to France, the definition un rôle of the role of civil parties in France, that is a double role qui consiste à to vindicate, to seek vindication by participating in the prosecution concernant les éléments qui with regard to the element of the crime. Mais simplement deuxième rideau, c'est-à-dire derrière but l'accusation. Behind the prosecution. Concernant simplement les éléments matériels only with que regard to nous the material elements. En tant que victimes. Et nous en sommes à ce moment-là and les témoins therefore, actifs, we are les the témoins active partis witnesses. Au procès. We are parties, witnesses who are parties in the proceedings, who have to provide these material elements by giving testimony in an active way under the law so that the elements of the crime can be determined. That is the first point. Nous intervenons pour demander réparation. With regard to the second point, we demander réparation, seek c'est pas reparations. Demander sanction. We do not seek la punishment. Elle concerne la partie elle-même, elle concerne la victime to the party, elle-même. To the victim, car enfin, because la sanction punishment elle relève d'un autre ordre, madame le is part juge, of another system. Messieurs les juges. Your la honors. Sanction, elle est définie par quatre fonctions principales en criminologie. Punishment d'abord, une fonction d'intimidation. By four on enferme quelqu'un, on factors, le châtie pour éviter que d'autres fassent ce qu'il a fait. You punish cela, ça so relève de l'ordre public. L'ordre people may public not do that, and this is part of public order. That is the job of the prosecution. La sanction, c'est une fonction the second function of punishment is to isolate someone, the dangerous person. La victime, cela regarde that is not the function public, of the victim. That is the function of the prosecutor. The third function is to amend. La personne peut être because in, through punishment, the person can be rehabilitated encore, and be part of the social fabric. That is also a part of public order. Et puis la dernière fonction de la sanction, the last function of punishment is the Christian l'expiation. Function, is expiation. Cela évidemment that ne relève pas non plus is obviously not within juge, the scope of the victim's role. Your honors, pour les victimes, qu'est-ce qu'elles demandent et j'en ai terminé. What do the victims ask for? Ici, à travers leurs what avocats? Do they expect the lawyers certaines, to represent for them? Pour parler vrai, to tell the truth, ne pardonneront jamais. Some will never forgive. Elles reprennent en cela le mot du philosophe Jean Kelevitch. They reflect Kelevitch's thought with, in saying that dans les camps de la mort. Forgiveness is death. Accorderont leur pardon. Others will forgive. Peut-être. Perhaps. Certaines some victimes victims voudraient would la like mort pour l'accusé d'autres. The accused to be killed while others à temps. Want encore. To be locked up for a while. Différentes sanctions. And others want different kinds of punishment. Ne peut être quantifié par un avocat au this nom des cannot victimes be quantified by a counsel for the victims because quantification or, establishes limits. And notre I'm concluding now. But our rôle is pour les parties civiles et à to work for the civil parties transcendantal and because qui dépasse through these la quantification proceedings d'une peine. We transcend the quantification of a sentence. Thank you very much, Mr. Sear. Merci beaucoup, do any dit la juge Cartwright. Y a-t-il d'autres avocats des parties civiles qui souhaiteraient intervenir? Et rappelez-vous que j'ai donné pour les autres avocats 2 minutes de temps de parole. Maître Jacquin. Oui, Madame la Présidente, très rapidement. Ms. Je pense Jacquin, que very il faut briefly, your tempérer honor. Les propos qui ont été tenus des deux côtés de la barre I think we et dans la pratique de la partie civile telle que the, on peut nous la poursuivre devant les juridictions françaises. Je rappellerai que la partie civile participe of civil parties effectivement before French à l'accusation. I would like to say that au-delà the civil parties de ce qui est fait devant ce tribunal, participate in devant the prosecution beyond what is done in this court. Because in French courts, the civil party is a witness before become a civil party. This has not been adopted here to make it easier for these hybrid courts to operate.
and to avoid difficulties with regard to the principles. Civil party lawyers express all the difficulties and sufferings felt by the civil parties, but although the civil parties do not require sentencing, they may try to express how the sentencing should be designed. So in restricting the civil party, we should not prevent the civil party from expressing himself or herself with regard to what will come before. We also like to say that in this court, unlike in other courts, there is no financial compensation or damages. There is a request for collective reparation. And I think that the civil parties might have something to say about that later. Thank you. Thank you very much, Ms. Jacquin. Merci beaucoup, Maître Jacquin. Maître Studzinski, vous souhaitiez intervenir. Je vous invite donc à prendre la parole et soyez brève également. Thank you, Your Honours. Merci, Madame, Messieurs les juges. I would like to refer first to my long and rich experience. Je voudrais évoquer un instant ma longue expérience des systèmes de civil law où les parties civiles ont des droits importants. I also would emphasize that et je voudrais souligner que les CETC is unique sont and of course uniques en leur genre. Might, if there is no matter dealt with in the rules or the CPC, et que si une règle n'est pas claire dans le règlement intérieur, il convient de renvoyer au droit international ou à la pratique nationale. This court is unique and je le répète, les CETC sont un cas unique et donc il faudra trouver aussi des solutions uniques à cette problématique de la participation des parties civiles. Alors, rapidement, il y a une différence ici avec le système français. En effet, les parties civiles sont autorisées à agir. Il y a des différences entre le système français et le système allemand, par exemple. En Allemagne, les parties civiles ont beaucoup de droits. Et contrairement au système français, elles peuvent exprimer leurs vues sur la peine infligée en cas de culpabilité. Elles ne sont pas requises de le faire, mais elles peuvent le faire. Les droits des parties civiles sont limités dans la mesure où elles ne peuvent pas interjeter appel du jugement sur la seule base du fait qu'elles ne seraient pas d'accord avec la peine prononcée. I would like to outline some arguments. Je voudrais aussi montrer que la situation ici au CETC est unique sur le plan des droits des parties civiles. Nous sommes ici pour appuyer les procureurs et pour demander réparation du dommage subi. Appuyer les procureurs, cela veut dire, bien sûr, mitigating contribuer and aggravating factors. That means à la discussion sur les facteurs aggravants ou atténuants, ce qui veut dire que les parties civiles ont le droit de présenter les faits qui influent directement sur la peine qui sera définitive prononcée. Et par conséquent, il est logique, étant autorisé à produire des faits par différents moyens dans le courant de la procédure, que les parties civiles soient aussi autorisées à s'exprimer sur la peine. Et je ne suis pas d'accord, pour ma part, avec la défense quand elle dit que cela signifie une régression et un retour à la vengeance. Non, il ne s'agit pas de vengeance. Il s'agit d'une pleine participation à la procédure
Et pleine participation veut dire aussi participation à la discussion sur la peine. Les parties civiles appuient les procureurs et ce faisant, elles doivent être autorisées à s'exprimer sur cette question. And otherwise, as we find no restrictions par ailleurs, il n'y a pas de restriction dans le code de procédure pénale cambodgien quant au droit des parties civiles de s'exprimer sur ce point. As the law does not mention et puisque la loi restrictions ne limite pas of course, it is included and ce droit, of their rights c'est un droit qui fait bel et bien partie de la participation ouverte aux parties civiles. If an expert should be heard, et s'il faut entendre un expert I will not, object to this, sur la question, je n'y objecterai pas. C'est une proposition qu'a faite la défense. Mais naturellement, il faut que ce soit un expert is able to refer qui puisse aussi traiter des différents systèmes de droit civil. Et comme je l'ai dit, le système français n'est qu'un système parmi d'autres de cette tradition. Et les droits des parties civiles et l'ampleur des droits des parties civiles peut différer selon ces systèmes. Mr. Ballinter, maybe, et Maître Badinter connaît très certainement le système de droit français, mais il peut ne pas être aussi autant au fait d'autres systèmes de tradition romano-germanique. Je suggérerais donc pour ma part de convoquer un expert qui puisse contribuer au débat en envisageant tous les systèmes qui existent. You, merci. Merci de la juge Cotright. Any other civil party y a-t-il d'autres yes, parties civiles qui souhaitent intervenir? Maître Hong? Hong-Kin-Soon. Maître Hong-Kin-Soon, yes. Vous souhaitez intervenir, je vous en prie. Mr. Hong-Kin-Soon. Thank you, Your Honor. Oui, merci, Madame la juge. In my point of view, in the name of the civil party, I am quite familiar with the roles pour ma part, of the lawyer to represent le rôle des avocats représentant les victimes who are civil parties in case 01 and 02. Dans les dossiers 1 et 2. Et je n'ai pas l'intention de challenge this any longer concerning the, our support de remettre en cause for the witness list whether they are essential or not, but as ce qui a été dit jusqu'à présent sur la liste de témoins. Mentioned and as reiterated by Maître Roux a fait des observations, Maître Sudzinski a aussi fait des observations, qui tend à souligner que les CETC sont une juridiction unique établie à la suite d'un accord entre le gouvernement royal du Cambodge. Il ressort des documents que le droit qui s'applique ici est un droit basé sur la procédure pénale en vigueur au Cambodge. Or, l'article 12 de l'accord dit que la procédure doit être conforme au système cambodgien. Any uncertainty ce n'est que lorsque le droit applicable est flou, lorsqu'il y a nécessité d'interpréter le droit que l'on se référera so au droit international. Rule 23, à la règle 23 du règlement intérieur, it is regarded as a principal criminal procedures to be l'on applied in the whole l'action court. Civile so des victimes devant les CETC, the term civil parties in this case, le terme of course, they civile. Are derived or they derive from the victims. And they have partie civile qui est ici synonyme de victime, laquelle doit pouvoir être représentée conformément
According to Criminal Procedural Code, Article 326 L'article 326 du Code de procédure pénale prévoit que les parties civiles représentées ont le droit d'intervenir devant la Chambre. The presiding judge shall listen to the statements of civil parties. Les interventions des parties civiles. As the civil parties, we know the role. Et donc nous savons nous en tant que civil partie civile quel est le rôle qui est le nôtre. When we would like to submit any documents et lorsque nous souhaitons présenter des documents pour case file and that we need support from the president is to make sure we can support the prosecution so that we can bring inculpatory evidence against the accused. Cela nous permet so de présenter des éléments de preuve à charge. Like our colleagues, en tant qu'avocat de parti civil, nous avons une obligation to compel the court to press any to sentence the accused person. But we follow internal rules qui est d'appliquer 23. La règle 23 du règlement intérieur. Je so dois rappeler que les parties civiles sont victimes. Nous ne sommes pas seulement ici pour observer la procédure. Not, and that we only sought, seek reparation. And we already learned that there would not be any individual reparation. Nous savons déjà qu'il n'y aura pas de réparation individuelle. The rule states clearly the rights of the civil party and whether these rights are accepted by the court or not. I think it will be left to the court to make a decision. Il appartiendra donc so I would like à la Chambre the court de se prononcer also en fonction de ces règles. Opportunities to the civil parties to address the court by expressing their suffering and la possibilité request. D'exprimer effectivement les souffrances des victimes Thank devant you, la Chambre. Merci. Now, merci de la juge Cartwright. The co-prosecutors indicated that they wish to address the court on this matter. They will of course be extremely succinct. Et je leur donne donc la parole en les invitant à être extrêmement brefs. Madame Chiu Liang. The co-prosecutor Chiu Liang. Your Honor, thank you. Madame la juge, Monsieur le Président, Messieurs les juges, merci. Through the discussions and remarks on this, in this context, it is my opinion that the national prosecutor would like to talk about the national laws that has been implemented and is enforced so far. But before we talk about the national procedures and the law, we have to think that this court is a special hybrid court. Qu'il s'agit ici d'un tribunal first, as spécial, international, the Lokam Sun said, we have to apply the Cambodian laws. If it's not there is a gap in the Cambodian law, then we will apply the international law. So in general, we think that this court is not a fully national court ne sont donc pas un tribunal because there's a victim unit. Nous avons une unité des victimes. It's not an office. It's not an independent office, and that is not a part of the national law. However, the creation of a separate independent office, en droit national, as stated by the lawyer, is based on the victims. So how the civil party lawyers and the Alors civil parties play this role? I agree that the trial chamber needs to consider the rule 23.1. According to our understanding, is that it is clear de laquelle that first, il ressort clairement que whether they are allowed or recognized by the trial chamber to be the civil parties to participate in the les hearing. Les civils reconnus par secondly, les CPC ont le droit de participer à la procédure. Whatever they do is in order to support the prosecution by the prosecution les office. Appuient, so la whether en soutien à they, what they do is to support the ce charges made by the prosecution is their role. Produire des éléments. Hence, they have to seek out the witnesses in order to et find inculpatory evidences for the accused. De l'accusé. To find the guilt of the et accused in order to seek for reparation. Which is the last intent that they have stated in Rule 23B.
which is a specific characteristics for the civil parties. Deuxième point, whether they arise to express their opinions in the court. Cela veut dire que during the proceeding, durant la procédure, even in the national law, it is not prohibited. Il ne leur est pas interdit. However, at the end of the trial hearing, usually the trial chamber asked the civil party on whether they have any proposal for the trial chamber to consider. Aux parties civiles, si elles ont des propositions à faire que la chambre devrait examiner. They are not limited in the expression of their opinions. We all know that first they would like to seek their reparation. However, they might also seek for the sentences to be imposed on the accused. So the trial chamber has to consider whether their speaks or remarks has any value. We also have to consider the differences between the roles of the prosecution and the roles of the civil party. We have to think to, although their remarks on the sentence of the accused is not their obligation. Il n'y a pas obligation. However, this is their right to express their opinions. De s'exprimer sur la peine. Mais c'est quelque chose qui and the role of the prosecution or the prosecutors in this case, quant au procureur, it is our obligation, point, it is our role. Il y a obligation, c'est and le I agree, rôle des procureurs de s'exprimer sur la peine. Because as the co-prosecutors, we work for the benefits of the victims, for the benefits of the public. Victimes, so we have to consider société, public, the involvement and the limit of the involvement of the accused. And it's us to seek the sentence. Le degré de culpabilité and they have the right to express their opinions. And the obligation of the prosecution is different. This is what I want to clarify. Voilà donc la précision que je souhaite what apporter. We applied in the Cambodian law. Et ce qui ressort du droit cambodgien. And we have our law clearly stated on this specific point. Also, you can have a look at the rule 23.A and B. And I would like to seek the permission to ask the trial chamber to seek and to look into this rule. And if there is any disagreement on this issue, it is clear to refer to this particular rule. Qui, je crois, doit diriger on any débat. Controversial witness or experts to be summoned. Des témoins ou des experts, and we have to bear in mind that this is not a fully national court, this is a hybrid je court. Rappelle encore une fois qu'il s'agit ici non pas d'un tribunal purement national, mais d'un tribunal so then the accused side can also seek experts to provide exculpatory evidence to support their claim. Que soit cité à comparaître and témoins prosecution à have the right to seek the inculpatory evidence to support their claims for the prosecution. So, it is at the discretion of the trial chamber to decide which witness experts to be summoned. Thank you. Qui, thank quels you very témoins much, en définitive sont cités à comparaître? Merci. Mr. Khan, do you wish to Juge Cartwright, Maître Khan, vous souhaitez intervenir? Your Honor, I'm most grateful for this opportunity. Madame le juge, merci infiniment de me donner cette occasion de prendre la parole. Madame le juge, merci infiniment de m'offrir cette occasion de prendre la parole. Sorry, Your Honor, I was getting French translation. L'interprète s'excuse, confusion du canot. Alors la première observation que je souhaitais exprimer est la suivante. Submission was precipitated not only upon a public and confidential filing that was put in by civil party group number one, but of course by the submissions by my learned friends for the defense and for the fourth civil party. Des éléments vers ce dossier d'une part et des propos tenus d'autre part de cette salle. Your Honor, I am most cognizant, I am most aware of the 5-minute parameters, but it does appear that not all of us have been precise in keeping with those limits, and I would ask in advance for your Honor's indulgence if I stray a little bit beyond those 5 minutes. Your Honor, I think it's only fair that as the lead counsel of the Civil Party Group 1, representing about 40% of all civil parties in this case, that it's only right and proper
that we be entitled to address justice, relevant submissions before Your Honour. Mr. Khan, you may have a little extra time, but please try to keep it within a reasonable, reasonable period, because we don't have the rest of the morning for this matter. Thank you. I'm most obliged, I have the point. Your Honour, my learned friend, Mr. Sir, for the Fourth Civil Party, stated in closed session and again in public session that the civil parties are united. I venture to say that all parties in this court are united in relation to achieving justice, and I would extend that very freely to my learned friend for the defence and my friend for the prosecution. But of course, it needn't be a matter of great friction or controversy if independent counsel have different views as to how justice can be most effectively and properly achieved. Pour les civils peuvent avoir des points de vue divergents quant à la meilleure manière de procéder. To make submissions. Notre rôle and of course, it is entrusted to Your Honours as guardians of justice to decide how justice will be done in this case. So there is clearly en leur sagesse, de déterminer quelle est la meilleure voie à suivre. Ici, il semble y avoir donc une disparité de points de vue entre les parties civiles et les autres protagonistes de cette procédure. Il semble y avoir understandable, perhaps, un point de vue convergent civil law tradition and the country they emanate from my learned friend, Mr. Sir, for the Fourth Civil Party, and my learned friend, Mr. Roux, for the defence. However, the starting point must be the law. The object and purpose for which this court was established. Reference to Cambodian law is correct. It is the foundation. La référence au droit cambodgien est correcte. C'est elle qui est l'élément fondamental. La fondation, le fondement de ce qui se passe sans l'existence d'un droit cambodgien, ce tribunal n'aurait pas existé. Cependant, il y a des caractéristiques propres qui font que ce tribunal-ci est différent. Et le fait que nous ne soyons pas ici à Paris, inquisitorial system en France, is made patently obvious in the rules that guide Your Honours. Que nous ne fonctionnions pas selon le système. Makes it clear. Rule 21A, proceedings shall be fair and adversarial. Et ici fondamental. So, Your Honours, it's clearly a mix of systems nous avons ici that have manifestement been un produit hybride together délibérément to do justice. And I'm, as a common law lawyer, et moi, en tant qu'avocat de la common law, in the rather ironic je me trouve dans une situation un peu ironique, but a position that I quite enjoy, I must confess, j'y trouve that I am seeking un certain plaisir, to extend je dois l'avouer, victim participation beyond those à développer une participation des victimes au-delà de la pratique of this des avocats dont le pays Your Honour, as a matter of law, Rule 21.3 alors, la règle 21.3 is also an important starting point. And it is clear that civil parties may participate ici, in criminal proceedings. Que les, it is my submission dans une procédure given that civil parties pénale, are parties alors comprenons bien que les parties civiles sont des parties sur un pied d'égalité. Et je dis ceci à mes collègues de l'éco-procureur et de la défense. La présomption ici doit être que les propos, les plaidoyers, etc., doivent avoir une portée égale pour ce côté-ci à l'étendue qui est admise pour la défense et pour l'éco-procureur. Il s'agit ici d'une exigence de type législatif, dirais-je, dans notre règlement. Et en voici un exemple, la règle 82.5, qui limite certains droits d'appel au procureur et à la défense. And of course, my learned friends, Mr. Roux, and Mr. Sir mais and others were silent in my respectful submission on any law that would contradict my primary submission. There's no rule cited premier, that prohibits rien. Civil parties aucune règle n'empêche les parties calling evidence of the nature that we intend.
Your Honour, what is the evidence? De produire des matériaux ou des personnes qui serviraient notre propos. Deux experts que nous voulions convoquer sur les questions des réparations. Un pour ce qui est des réparations et un pour ce qui est des dimensions cambodgiennes particulières. Deux experts en matière de peine, de formulation de peine, et au plan international et au plan cambodgien. Et un grand expert concernant la question du traumatisme et du préjudice. Ce sont là des éléments, des matériaux et des personnes tout à fait pertinents. Je ne vois pas là qu'il y ait matière à controverse. Dans le 80 bis, tout ce que nous faisons, c'est utiliser notre pouvoir de proposition. Nous proposons ces témoins aux juges en estimant pour notre part qu'ils pourront apporter des éléments éclairants pour favoriser l'établissement de la vérité et de la justice. Si des matériaux ou des témoins peuvent être amenés par quelque partie que ce soit, ce sont les juges qui ont toute latitude d'accepter, de ne pas accepter en totalité ou en partie ce qui est proposé. Donc le fait que nous puissions produire des pièces, des matériaux ou des personnes, je pense, ne diminue en rien le processus. Madame le juge, ce tribunal a clairement établi pour ce qui était des droits des parties civiles non représentées à prendre la parole en personne dans les débats. Une décision du 29 août 2008, paragraphe 5. Là, il était dit clairement que les intérêts des victimes, pour ce qui est de participer dans la procédure préliminaire, provient des droits fondamentaux, droit à la vérité et droit à la justice. Et là, j'ai cité la jurisprudence de cette cour, nommément. La même philosophie, je pense, doit gouverner, doit régir la procédure au stade du procès. Mon distingué confrère Maître Roux, un avocat de grande réputation, s'exprime avec une éloquence remarquable et c'est un honneur de participer à une procédure dans la même salle que lui. Et j'en dirai autant de mon collègue Maître Sûr. Cependant, nous ne sommes pas ici en France. Pourquoi une autre personne française, si éminente soit-elle, par exemple Maître Badinter, pourquoi une telle personne devrait être convoquée ici en tant qu'expert, que l'on accepte le point de vue de cette personne, alors qu'en même temps, le point de vue d'experts de la Cour pénale internationale ne soit pas pris en compte, ne soit pas convoqué ici. Ça me paraîtrait étrange, pour dire le moins, si ce n'est presque pervers. La Cour pénale internationale, la loi, la jurisprudence émanant de cet organe international, non, sans doute pas force contraignante directement pour ce qui nous concerne ici, mais assurément cela fournit des indications fortes des points de vue, des opinions, des philosophies émergentes dans de nombreux États. Et pour ce qui est de la participation des victimes, ces contributions n'émanent pas des systèmes de common law. Cela émane de du pays même de mon distingué confrère qui est plutôt maintenant, qui cherche maintenant plutôt à limiter la participation des parties civiles. Cambodia itself, a sovereign and respected Madame country juge, le Cambodge, un pays souverain respecté qui nous héberge aujourd'hui, est une partie à cette cour, a accepté les principes de cette cour, de la Cour internationale. D'un point de vue technique, je comprends tout à fait que la participation ici, c'est que les parties civiles sont des parties civiles, alors que au TPI, les parties ne sont que des parties pour ce qui est de leur droit. Mais allons au-delà de la forme, des formalités, essayons de voir l'objectif et l'esprit de la participation. Au TPI, dans l'affaire procureur Katanga, décision concernant les règles de procédure applicables pour
of victims ce qui est de déterminer at the pre-trial stage of the case. Le rôle des victimes au stade préliminaire de la procédure en date du 13 mai 2008 at paragraphs 38 paragraphe 38 39 cast what I submit là, is an illuminating je constate and que nous avons un précédent tout à fait éclairant tout à fait on this issue indeed not only advice bien formulé, bien argumenté, but legal guidance. Qui donc nous donne une opinion, mais de plus, nous donne, je pense même, une piste. Et je citerai le paragraphe 38. En d'autres termes, dit le TPI, the interests of the victims les intérêts des victimes go beyond vont au-delà the determination of de what happened la détermination de ce qui s'est produit of those et de l'accusation and extend des personnes responsables. To securing a certain cela concerne aussi l'établissement d'un certain degré de sanctionnement à l'égard des personnes responsables de la commission des crimes dont ont souffert ces victimes. Au paragraphe 39, je trouve les éléments suivants. Ces intérêts, à savoir l'identification, and punishment of those who have victimized le sanctionnement des personnes qui les ont fait souffrir, en empêchant leur impunité, voilà qui est à la base du droit bien établi de justice à rendre pour les victimes de violations graves des droits de l'homme, des droits humains, pour lesquels les organes internationaux des droits de l'homme ont fait une différenciation par rapport au droit à la réparation des victimes. Ce n'est donc pas la même chose. Alors, il y a là tout un ensemble de jurisprudence qui a été cité par le TPI à l'appui de ce texte. La Cour européenne des droits de l'homme, la Cour interaméricaine, etc., s'aligne sur ces normes. La règle 33, en la présente, and it's relevant to this particular submission and also to a submission put forward yesterday by my learned friend, counsel for civil party number 2. Le Conseil des partis civils groupe 2 a dit hier, il est trop facile, je pense, et serait une perte triste de notre part, de fermer les yeux, d'oublier, d'ignorer la jurisprudence de nombreux autres cours internationales en disant que, quelque part, nous sommes un îlot qui serait, qui existerait d'une manière totalement unique. L'article 33 dit très clairement que si les procédures existantes ne règlent pas, ne traitent pas de tel ou tel point de manière suffisante, ou s'il y a insuffisance ou incertitude quant à l'interprétation et l'application, ou s'il y a une question qui se pose concernant la continuité par rapport à la jurisprudence internationale, à ce moment-là, on peut invoquer les sources au niveau international. Is static. Aucune loi dans aucun système n'est statique. That applies to the civil law, the common law, and international law. Ceci est vrai pour les systèmes de droit civil, de common law et du droit international. Et donc, mesdames et messieurs les juges, dans votre détermination sur cette question, je vous demanderai de bien vous tenir compte de l'ensemble de l'expérience jurisprudentielle des différentes juridictions, y compris au TPI. À mon avis, il est clair, étant donné l'esprit qui a présidé à la création de ce présent tribunal et dans nos règles, que rien n'empêche d'appeler des témoins à Your Honour, I cannot leave this s'exprimer, subject et c'est évidemment without addressing my learned friend, Mr. Roos' submission. Je ne peux maintenant conclure mon propos sans répondre à ce que disait mon distingué collègue Maître Roos quand il a parlé de régression et non de progression, si le point de vue des victimes ne peut pas être davantage entendu pour ce qui est de la peine. C'est là présumé. Rien dans ce que j'ai dit ou écrit jusqu'à présent n'indique qu'il y a un désir de vengeance. Les parties civiles, a-t-il été dit, chercheraient vengeance. Or, il s'agit de faire venir ici des experts nationaux et internationaux, et ce sont les juges qui trancheront. Les parties civiles que nous représentons, en particulier le groupe 1, ne cherchent pas la vengeance, ne veulent pas le sang.
Ils veulent la justice. On an arbitrary manner from se voir interdire de manière arbitraire de faire intervenir des éléments de preuve ou d'expertise à partir d'une certaine interprétation émanant de France, cela n'est pas mérité, voire absurde, c'est même absurde, dirais-je. Your Honours, those are my principles. Madame, Messieurs les juges, voilà mes principaux propos sur la question qui nous intéresse maintenant. Je vous prierai, Madame, Messieurs les juges, je vous prie instamment de ne pas chercher à étouffer la voix des victimes. Si tel ou tel élément de preuve ou d'expertise est pertinente, notamment pour éclairer la réparation, la souffrance, y compris d'un point de vue psychologique, je vous prierai d'en tenir compte de manière approfondie et diligente avant de refuser telle ou telle pièce ou témoin. Merci, Madame le juge, merci, dit le juge Cartwright. Ce débat a été extrêmement utile sur le sujet qui nous intéresse, mais je voudrais rappeler maintenant aux parties que nous n'en sommes qu'à un stade préliminaire. Les parties n'ont pas encore eu le moyen de faire leurs commentaires intégraux sur les listes, la liste fournie par le groupe 1 des parties civiles. Et les commentaires additionnels seront permis par voie écrite. La Chambre de première instance a trouvé utile de tenir ce débat concernant le rôle des parties civiles en public. Je dois préciser aux avocats que nous serons peut-être moins aimables dans l'utilisation du temps de parole à l'avenir. En tout état de cause, merci pour ce débat maintenant. Maître Roux, un dernier point. Vous avez dit dans votre propos que vous envisageriez de demander à la Chambre de faire comparaître un autre expert. Si vous souhaitez suivre cette piste, vous voudrez bien tenir compte évidemment des délais. Si vous proposez cette personne en tant qu'expert, il y a évidemment des délais à respecter. We would just want to draw that matter to your attention. Nous voulons nous assurer que vous en avez bien conscience. Je ne vous propose pas de faire maintenant officiellement cette proposition. Je vous signale simplement cette circonstance. J'entends bien, Madame la Présidente. Ça va dans le sens de ce que nous avons demandé hier, à savoir qu'à partir du moment où nous découvrons au fur et à mesure la liste des témoins des nouvelles parties civiles, nous aurons forcément à demander l'audition de certains experts. Soit que nous le demandions par nous-mêmes, soit que nous suggérions que ce soit la Chambre qui le fasse. Je rappelle que M. Badinter n'interviendrait pas en tant que Français, c'est un internationaliste, et en tant qu'ancien président du Conseil constitutionnel, il connaît parfaitement tous les droits de la civil law dans tout le territoire européen et ailleurs. Et ne réduisons pas, s'il vous plaît, son domaine de compétence. Mais je crois que sur le sujet qui nous occupe aujourd'hui, effectivement, il est une des personnes au monde le plus qualifié, et je rappelle encore qu'il a participé aussi à la construction de la Cour pénale internationale et qu'il a participé aussi à l'élaboration du droit des victimes devant la Cour pénale internationale. Vous ne trouverez pas, à mon sens, dans le monde, de personnes plus qualifiées pour parler du sujet qui nous occupe. Qualified person around the world to discuss the question that we are now occupied with. Thank you, Your Honour. Thank you, Monsieur Roux. Mr. President, merci, Maître Roux. Monsieur le Président, je crois que nous en avons ainsi terminé avec ce point de l'ordre du jour qui concernait les témoins. Je vous remercie. Your Honour, Mr. President, there is one very brief matter. Il y a encore une question très brève that concerns for one of the agenda. Qui concerne ce point de l'ordre du jour, je serai très rapide. Nous souhaitons dire que la Chambre devrait donner des instructions concernant deux points. Firstly, le nombre de parties civiles autorisées à parler, when their participation
Et deuxièmement, quand il est prévu de les autoriser à intervenir d'ici une semaine ou deux, je compte déposer une requête auprès de la Chambre disant que sur les 38 ou 39 parties civiles que nous représentons, nous représenterons nous demanderons que de donner la parole à 7 ou 10 de ces personnes. Et je crois que l'on peut demander aux autres parties civiles le même genre d'indication, car cela aidera la Chambre et en particulier les juges sur le siège à planifier l'audience. Cela aidera aussi au bon fonctionnement de l'audience. Et deuxième point, il y a l'ordre de comparution des témoins. Il est très clair que, en vertu de la règle 91 du règlement intérieur, la Chambre peut décider de l'ordre de comparution des témoins. There are two principal options. Or, je crois qu'il y a deux grands choix. Un, on peut faire une décision, prendre une décision. If that's the case, it's my respectful submission. Et laisser ce choix aux parties, auquel quoi je crois que les coprocureurs devraient avoir le premier tour. Then a civil party that may wish to speak. And then finally, the defense. Après quoi nous entendrons les parties civiles et ensuite la défense. La raison pour laquelle je propose cet ordre, c'est que cela serait sans doute plus facile pour la Chambre de se prononcer. Il faut effectivement que le coprocureur 1 dresse le cadre général. Et peut-être que l'on pourrait répartir les éléments de preuve par catégorie. Ce serait une autre façon de procéder, et vous pouvez décider dans ce sens. Dans un cas comme dans l'autre, ça permettrait un déroulement mieux planifié, mieux ordonné de l'audience. Alors, je crois qu'il serait bon que la Chambre, en tout cas, demande aux parties civiles quel est le nombre de personnes que les parties civiles, parmi elles, souhaitent faire parler. Merci, la juge Cartwright. Merci. Y a-t-il d'autres points que vous souhaiteriez soulever au titre de ce point de l'ordre du jour? Maître Studzinski. Thank you, Your Honor. Oui, merci, Madame la juge. I would like to state that the Chamber, Judge Cartwright, granted to the parties la Chambre two or, five minutes to a speak on the donné issue aux parties of, entre 2 et 5 parties minutes pour parler sur la participation then, des parties I could civiles. Observe after this request to extend a little bit this or, un intervenant limit, a demandé une petite prolongation de ce Mr. temps de parole. Après quoi, minutes, Maître Kahn a parlé 19 minutes, si j'ai bien chronométré. La juge Cochrane interrompt. Maître Studzinski, tous les avocats ont excédé leur temps de parole et je l'ai autorisé cette fois parce que c'était une question qui intéresse grandement le public. Et à moins que vous n'ayez d'autres points à soulever à l'ordre du jour, je ne crois pas qu'il soit très utile de prolonger le débat sur ce point particulier que vous venez de soulever. Yes, donc avez-vous autre chose à dire? Maître Studzinski, oui, je voudrais vraiment que la Chambre me donne des indications. Je crois m'en être limite, avoir respecté ce temps de parole qui m'a été donné. J'ai été brève et concise. Did not exceed in this manner, and I think it is not at all justified by the number of civil parties justifié, being represented, but de dépasser le temps de parole parce que l'on représente un nombre plus ou moins grand de parties civiles. Il s'agit là de questions générales qui intéressent tout le monde et qui ne sont pas d'un intérêt plus ou moins grand pour telle ou telle partie civile. Que souhaitez-vous de la Chambre, Maître Studzinski? Je souhaite que vous rappeliez au Conseil le temps de parole qu'il aurait imparti et que ce temps de parole leur soit rappelé dès qu'il est dépassé.
car je crois que cette fois, il y a eu dépassement du temps de parole qui était exagéré. Juge Cartwright, je vous remercie. Merci, Monsieur le Président. Je souhaiterais que dans les problèmes de procédure qui sont abordés, comme l'a indiqué mon confrère, nous ayons en tant qu'avocat des parties civiles quelques éléments plus précis pour parler de difficultés, en particulier concernant la prise de parole des parties civiles à l'audience, ou éventuellement la prise de parole de certaines parties civiles par vidéoconférence, savoir dans quel délai matériel vous souhaitez que nous fassions connaître les parties civiles qui souhaitent ainsi intervenir en direct. How far ahead of time you want to know this? Nous sommes à peu près 30% des parties civiles, Nous pensons que pour les calendriers, nous pensons que 8 ou 7 parties civiles ont des choses à dire, elles sont des survivants, la libération de S21, survivors before the liberation of S21, which means that they were able to escape. Rocambolesque, difficile et dramatique, mais je crois qu'elles ont des témoignages directs à apporter. And I think there will be direct witnesses. Je crois qu'il va falloir prévoir qu'elles puissent avoir du temps de parole, that they be afforded the necessary time to tell their story. Thank you.
Yes, thank you. After a brief deliberation, délage contrat, nous avons rapidement délibéré sur le siège et la chambre. Would like to remind council that we seek further information que nous demandons des informations complémentaires the parties either civil parties concernant or witnesses les parties civiles as to the length of time that they might take. We specifically sought that in relation to witnesses la durée que prendrait, and we would like temps that indication leur also concerning civil parties and when it comes time to schedule the witnesses and hearing from the civil parties, we will then have enough information on which to base our determination. So any further information that can be provided would be extremely useful, so thank you. Now, I believe that that now concludes this portion of the initial hearing concerning witnesses, Mr. President. Les témoins, et je rends la parole au président. The President, thank you very much, Judge Cartwright, for leading the discussion pour avoir animé on les débats this matter. Concernant next, les I would témoins, like to give the floor to Judge Yasakon to lead the discussion on the issues relating to additional material filed with the witness list and motion by the co-prosecutors to file new evidence. So, Judge Yasakon, you have the floor. Thank you. Documents. Mr. President, Juge Yasakon, merci, Monsieur le Président. Says Judge Yasakon. On the 11th of December 2008, and its notification of a trial management meeting, de la réunion de mise an en order état et to the parties to file aux parties additional materials, the chamber ordered the parties to file inter alia at the same en même temps que leur liste de as their witness list, a list of exhibits and a list of the new documents they intend to offer in the case containing a brief description of their nature dans, and contents. Avec une brève description de la according nature, to Rule 80, de la the civil pièce. Parties and defense en vertu de have 15 80, days from notification jours of the co-prosecutors list to file de leur liste their own pour witness list. Leur propre liste de témoins. The deadline for filing such additional material est le même que le délai pour le dépôt des listes de témoins et ce en vertu de la règle 80 du règlement intérieur. Les parties qui sont devenues parties à la procédure après la date de notification en question ont 15 jours à compter de la notification qui leur est faite de la liste des témoins des coprocureurs pour déposer leur propre liste de témoins et de documents supplémentaires. According to the material filed by the au parties, none of the parties intend to offer any exhibits, de namely de tangible objects as evidence during the trial. The chamber wishes to acknowledge the receipt from the co-prosecutors, the defense, and des listes civil de documents supplémentaires déposés par les coprocureurs, la défense et les groupes de parties civiles 1, 2 et 3, les listes qui ont été déposées en même temps que la liste de témoins. The chamber also la Chambre wishes to acknowledge accuse aussi the réception du document E5-10, the motion à savoir of the co-prosecutors to submit new evidence la requête des coprocureurs visant à déposer cette nouvelle 39-4, pièce en application de la règle 39-4 du règlement intérieur, la requête qui a été annoncée d'abord à la réunion de mise en état et documents qui étaient déposés le 28 janvier 2009. Dans leur requête, les coprocureurs demandent à la Chambre d'autoriser le dépôt The filing of film footage d'un of film S21 tourné provided by the government of Vietnam à S21 to the documentation par le gouvernement vietnamien au DCCAM. The film footage was ces not previously included in the list.
of new antérieurement dans la liste de nouveaux documents et dans la liste des pièces que les coprocureurs avaient été invités à déposer conjointement avec leur liste de témoins et d'experts. Les coprocureurs soutiennent que ces documents, ce film, a été découvert récemment et contient des éléments qui sont pertinents pour la présente procédure. Pour ce qui concerne la liste des documents supplémentaires, la Chambre note que ces documents seront évalués à l'audience au fond. Si une partie quelconque a des objections à des documents nouveaux présentés par les autres parties ou souhaite faire des observations concernant la recevabilité de ces documents, la Chambre entendra ces objections ou observations aujourd'hui et les prendra en compte au moment de l'examen sur le fond. La Chambre souhaite inviter les parties à indiquer aussi si elles disposent d'informations supplémentaires ou si elles ont des observations ou propositions à faire concernant les différentes listes de documents ou supplémentaires ou concernant la requête des coprocureurs. Je me tourne d'abord vers les coprocureurs. Est-ce que vous avez des observations à faire concernant ce point? Co-prosecutor Chien-Lien, Joanna, thank you. Oui, Monsieur le juge. What the Joanna has described is the submission by the co-prosecutor's office est correct, to the trial chamber une requête, to accept auprès de la chambre visant à que film. Soit versé au dossier un film. I would like to make some clarification as to why there's a delay in the submission of the evidence to the trial chamber after the expiry date of the deadline. The office of the co-prosecutors recently received this new information 1 week after we submitted the witness list and the additional documents to the trial chamber. We received the news through the international news and through the documentation center of Cambodia that they received this short film from the government of Vietnam. Therefore, the office of the co-prosecutors sent our investigators to examine the short film to see how important it is related to our case file 001. After the examination of the film, we concluded that it is important relevance to the case file 001 and we requested the documentation center to send us the materials to the office of the co-prosecutors. And why? What was our intention to Et nous avions l'intention to submit this evidence to the trial chamber. De présenter it is important that we see the importance of this new film. En effet, qu'il s'agit and that our office has never seen it before, and it shows the view of the S21 office immediately after the deliberation, 2 or 3 days after the deliberation. It is therefore shown the headless corpse and the chained corpse in building A within the compound of the office of S21. Second, it shows in the film, on voit aussi dans ce film the victimized children des enfants at the office of S21. Et les locaux and this is the evidence that we did not see it before or sent to the trial chamber before. Nous n'avions pas connaissance and we do not auparavant. Think it takes a long time to view this film. It's only about 10 minutes long. C'est un film and one section is only 7 minutes and the other section is only 4 minutes. And it is crucial to show the facts que just happened immediately after the liberation. Ont été les faits qui se sont the dead bodies, the witnesses who saw the scene. And also according to Rule 36, et je rappelle ici as the owner has said, the trial chamber can also be late, can provide extension to the parties to submit additional materials,
if deemed necessary and important. And also the rule 92 stated each party has the right to provide additional evidence. I submitted this evidence in writing to the trial chamber. Nous avons présenté, and we are waiting for the decision of the trial chamber. Une décision de la At chambre. The same time, we would also like to enlighten the trial chamber that the Vietnamese soldiers who shot the film are still alive. And the person is now 76 years old, and if the trial chamber thinks it is important for the explanation of the film, it is possible for us to provide the address de ces images. Nous pouvons fournir l'adresse de cette personne to the trial chamber to contact the filmmaker. Il est donc possible de prendre also, contact the victimized children, as mentioned by the civil party lawyers, one of the children wish to be the civil party, but due to the expiry date of the application, I would like the trial chamber to consider also that application. Thank you. De bien vouloir revenir sur ce cas particulier. Merci. Juge Yasokon. Does any civil party lawyer have any comments to make in this regard? Y a-t-il des partis civils qui souhaitent intervenir? Does the defense have any comments to make in this regard? You take the floor. Your Honours. Maître Corsavoud. Says Mr. Casavoot. Regarding the filming footage submitted by the co-prosecutors in the last minute to the court, en dernière minute the à defense, la chambre, la défense, would like to submit that it is not acceptable. Soutien the reason qu'il convient de rejeter cette requête. Cannot accept la raison pour laquelle la défense n'accepte pas footage, le versement de ces images est que have been ce film provided, by, a été Vietnam, fourni the Social Republic of par Vietnam. La République and socialiste having du used Vietnam. The video footage, I could see that they are politically motivated. Je vois des motivations so I can see that in these proceedings, we should not have any interference from the political films to be judged by judges here. So I would like to also submit des juges. That in the films, I observe 8 main points. De ce film, first, je retiens 8 choses. We notice that the entrance to the S21 from the east. Nous voyons l'entrée but I could see that in the movie, it shows film, that the entrance was from the west, on voit not from une the east. Côté ouest, and et the non pas l'entrée que nous connaissons was côté named est. S21. And there was no label, no gate. De plus, il n'y a aucune indication du nom. They did not preserve the original et on peut se demander pourquoi scenes, on n'a pas préservé les indications qui existaient. Primary school Abdul Samang was taken in the footage. And because l'école people knew that it was S21, but why should in the film people only saw the primary school Abdul Slang? Dans so le film, on ne voit que l'école primaire de that's Mark's point number two. Point number three, I want ça, the court to also investigate this matter because there was a guard a location where guard il y avait un endroit où les gardes used as the place to guard the prison étaient stationnés. But
there was not any such a place. So I think the movie or the film was not taken during that 1979. It would have been taken long after that. So I think it is rather a political attempt to introduce the film rather than introducing the truth. De présenter des pièces pour des motivations politiques plutôt que par souci d'établir la vérité. Basin, allegedly used for torturing, but I cannot accept it because I think this kind of improvised basin would probably be created after 79 for the purpose of that film only. And point number five, I think the remaining victims, people who survived S21 when Vietnamese troops arrived. I noticed that ou qui sont présentés comme tels et qui auraient été libérés par les soldats vietnamiens. Now I may put it this way. Deutsch. Alors, je reprends. You know when he left S21 when he went away with six people. Duke a quitté S21. He left on the 7th of January at 2 p.m. Le 7 janvier 79. And at that à 2 heures de l'après-midi, accompagné de six personnes. All prisoners were executed except four people who could not be buried on time at S21. Tous les prisonniers restants and regarding this matter, I would like to also submit that the Japanese TV and Australian TV crewmen who interviewed in 2007 in July, qui ont tourné des documentaires, they showed en juillet 2007, eight combatants who wore military uniforms. Huit combattants qui portaient des uniformes militaires. Mr. Yasakon, could you please slow down so that the interpreter can follow fully your submission? Mr. Karsavot, pour faciliter la tâche des interprètes. Maître Karsavot. Actually, the new talk show, sorry, Japanese TV crewmen donc que and the Italian crewmen de tournage, who Italian, took footage Japonaise. Of these people were not really also viewed in the Vietnamese film that filed by the co-prosecutor. So I think there has been inconsistent information that the defense submits that it cannot be accepted. Point number six. On the 3rd of January 1979, S21 was ordered by Nguyen Chia to execute all remaining prisoners. Le 3 janvier plutôt, Nguyen Chia a donné l'ordre d'exécuter tous les détenus qui restaient encore au centre. Everyone, every prisoner, et donc, regardless of tous ceux qui étaient détenus, qu'il s'agisse d'enfants would have been executed ou d'autres, already. So ont dû the être survivors were, there were 15 survivors, et il y a eu en définitive which were among the Dutch group, six people in Dutch group, and six personnes qui accompagnaient there were other people that I should not reveal their names. Dont je we ne peux have révéler le nom ici. KWO1, il s'agit de KWO1. Donc, took that video footage. Les troupes vietnamiennes ont effectivement tourné ces did images. Not really pourquoi take the footage of these people who survived S21 who ces personnes dont on sait qu'elles ont survécu à S21? Told me that when the Vietnamese troupes came to S21 at the outset, they were there. But why were they not captured in the footage? Why only the children were seen in the film? Dans ce film? So people, we were told that no children left at S21. They were all executed. De notre côté, on nous a dit que aucun enfant n'a pu survivre à S21 car ils ont tous été exécutés. So that makes point number six. Point number seven. Observation numéro 7. All victims, including victimes, children and adults, les enfants et les adultes,
have been stalled by S21 and people were so thin and extrêmement émaciés parce que so I would like also the court to review the video footage to see the appearance of those children. I can see that these children are healthy and they're not children who have not eaten for a long time. They're not children who have not drank water for a long time. So that's why I submit again, it is not acceptable. That makes point number 7. Point number 8. Before the movie or the footage is submitted, I want to also the court to have it checked against the list of the prisoners at S21 because everyone who was arrested and entered to S21 is kept at S21, the complete list. So if these children are the survivors of these S21, their parents' name and when their parents or them, they themselves were arrested and sent to S21, their names should have appeared in the list. The reason I want to make sure that the list is well checked because from the 2nd of January to the 7th of January, there were no people who were being sent to S21 for further imprisonment because they were all executed long before that. I just want to know how or when exactly these children entered S21 and when we only learned the date of the, these people, these children entered the S21 that we could know whether they did or they were genuinely the survivors of S21. So if they came to S21 before the 2nd of January, or I may say that they even came to the 1st of January and then hid themselves under the pile of clothes, how could they survive until the day when Vietnamese troops came to take that video film? Because as you already been familiar, there has nothing left for them to eat and security had been very strict. So when the children did not eat for 7 days and 7 nights, could they survive? N'ont pas mangé pendant they 7 jours not. Et 7 nuits, est-ce qu'ils vraiment auraient pu survivre? Je ne le crois pas. If they could not survive, s'ils ne pouvaient pas survivre, can they appear in comment the peuvent-ils film? That's why apparaître we, the defense, dans ce film? C'est pour ces raisons que really nous, la défense, objectons à la présentation, film. À la production de cette pièce. Also, oh, if we interview these children, de plus, si nous interviewons... Because the person who keep the list is still alive. Personne qui possède la liste reste en vie. KW07, who was actually the person who kept the list. La personne and the children de were interviewed and they said that they could not remember their parents because they were too young. So if you think that alors, they were too young, that they can't si even remember jeunes, their parents, how can you call them as witnesses? Parents, how can you really presume that their testimony will be genuine or conducive to the truth? That's why the defense submits again that it is not acceptable. From the 2nd of January to 1979, there was no new person entering S21. De nouveaux so I can see that these young children would have lived in this area long before that. And I could also question how they could survive. That's why I have a doubt la question de leur survie I think it is not really convincing that we should accept the footage. So the defense would like to only request to the trial chamber to remove these documents from being discussed. So if they cannot do that and that the trial chamber accepts the prosecutor's motion,
then the defense would like to inform to the trial chamber that we, the defense, regard this video footage as having political motivation in nature, as Mr. motivé par des considérations politiques. Already gave interview in the radio that he regarded this as the video footage which has a connection to political issues. That's why the defense cannot accept it. So we ultimately regard this video footage as a political motivated nature to disguise information or the truth concerning the event. Ne sert pas and we à reserve la vérité, our right to raise this issue again nous, in the hearing on substantive hearing. Thank you. Lorsque nous serons en audience sur le fond. Judge Yasakon, the chamber will take these comments into consideration and issue a decision in due course. Je tiendrai compte de votre commentaire et produiront leur décision. Once again, I repeat, the chamber will take these comments into consideration and issue a decision in due course. The President, thank you very much, Judge Yasakon. This includes, this concludes the initial hearing. I, the President of the trial chamber, le président de la Chambre de première instance souhaite declare that the initial hearing on case file 001 is adjourned. And I would like to thank the parties and all participants. And the scheduling order for the start of the substantive hearing. De vous interrompre, mais nous n'avons pas terminé au niveau de la défense sur les preuves supplémentaires du procureur. Nous avions encore quelques mots à dire avant que vous clôturiez l'audience. Pas longtemps, mais quelques observations sur les documents qui étaient attachés à la liste des témoins. Nous avons parlé du film, mais il y a aussi les références. The President, could you please be brief? Because according to for the purpose of the recording, audio visual recording, we have only 7 minutes left for the proceedings. So you take the floor. Nous n'avons plus que 7 minutes. Vous pouvez prendre la parole très brièvement. Je vous remercie, Monsieur le Président. En même pas 7 minutes, la défense veut poursuivre sur ce qui vient d'être dit en ce qui concerne la liste complémentaire de 52 documents que les procureurs ont cru devoir rajouter à leur liste de témoins. Et la défense tient à dire qu'elle est choquée que, après une année d'enquête par le bureau du procureur, puis après une année d'enquête par les co-juges d'instruction, les bureaux des co-procureurs veuillent encore déposer des pièces nouvelles. Et je fais notamment référence à grand nombre de confessions, c'est comme ça qu'on les appelle, de S21 que le procureur veut fournir. Pourquoi faire? Pour ralentir encore les débats? Pendant une année d'instruction, les coprocureurs ont participé aux instructions. Ils avaient toutes les possibilités de faire ces demandes chez les juges d'instruction. Pourquoi attendre encore le dernier moment? Et je fais en outre particulièrement référence au document dit document 29, au paragraphe 13 de la demande des procureurs, un document dont on n'a pas l'original,
un document qui a déjà été évoqué dans l'instruction et qu'aujourd'hui les procureurs veulent ramener encore dans ces débats, alors qu'au moment de l'instruction, il a été admis que l'original de ce document n'existe pas et il a été acté que l'accusé réfute l'existence de cet original. Alors, je voulais juste terminer par ces observations en rappelant une fois de plus qu'il y a des règles de procédure et des règles du contradictoire. Au dernier moment, à l'ouverture du procès, on nous amène encore 52 documents, on nous amène encore un film dont Maître Karsavoud vient de vous parler. On apprend par la presse que cette organisation non gouvernementale avec laquelle le bureau du procureur a beaucoup travaillé, et je parle de DICICAM, indique qu'il y aurait aujourd'hui une liste de 177 survivants de S21 et qu'il faudrait investiguer. On nous apporte un nouveau témoin qui serait un enfant. Mais quand tout ça va-t-il s'arrêter ? Apparemment, jamais, puisque nous recevons ce matin, non plus du bureau des coprocureurs, mais de notre consoeur Maître Studinski, une demande de complément d'information pour mariage forcé. Est-ce que, oui ou non, nous allons pouvoir avancer dans ce procès? Et dans le même temps, ce sont les bureaux du procureur qui disent à la défense, vos témoins, nous n'en voulons pas, ils ne sont pas pertinents et nous ne sommes pas d'accord pour que vous fassiez entendre vos témoins. Alors je voudrais dire très clairement, le bureau du procureur produit des masses de documents. Il produit, on l'a vu, 35 témoins sur 40 jours d'audience. Les parties civiles vont, et c'est normal, être entendues. Et on voudrait réduire le droit de l'accusé de faire entendre 13 témoins en 4 jours et demi. Thank you, that's all I had to say. The president, le président. The floor is your the prosecutor, Mrs. Chiliang. In order to respond the defense, I think my colleague will take the floor. Regarding the film footage, we the co-prosecutors still submit that we insist. That the document be included. Sur l'inclusion de ce document au dossier. The president, le président. Could you please break for a moment because we need the AV and audio recording system to be ready for recording what will be said in these proceedings. Please sit down. Thank you. Pour nous mettre d'accord concernant les matériaux audiovisuels relatifs à cette session.